Bonjour, bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. En ce jour de Sainte-Anne et Saint-Joachim, nous avons le Père l'évêque qui célébrera l'Eucharistie avec nous aujourd'hui. Après la prière de l'Angélus, je vous inviterai à chanter « Noble et sainte patronne, veille, veille sur tes enfants ». Alors nous vous prions maintenant de vous lever et nous vous souhaitons une belle célébration. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Toujours.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue, mes chers frères et sœurs, à cette très belle célébration aujourd'hui du 26 juillet, celle de Sainte-Anne, peut-être plus particulièrement ici notre patronne du Québec et Saint-Joachim, son époux, père et mère, bien sûr, de la Vierge Marie. Alors, ceux qui ont le petit prion, vous avez la célébration de la messe à partir de la page 21. Et si vous voulez, nous allons unir notre prière aujourd'hui à ces milliers de gens qui vont être présents à Sainte-Anne-de-Beaupré. Bien sûr, c'est toujours une grande fête pour eux. Alors, il vient énormément de gens, comme vous le savez. Et cette célébration est présidée par l'archevêque cardinal Prima de Québec, bien sûr, Monseigneur Lacroix. Alors, nous allons commencer notre célébration en nous situant devant Dieu, demandant pardon au Seigneur pour toutes nos fautes et nos manquements, nos éloignements, les faux chemins que nous prenons, les égoïsmes dans nos vies. Et nous allons demander particulièrement pardon et miséricorde au Seigneur pour toutes ces fautes. Que le Seigneur Dieu, dans sa grande tendresse, nous montre sa miséricorde, qu'il nous bénisse, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, maintenant, chantons la gloire à Dieu.
Seigneur Dieu de nos pères, tu as donné aux saints Joachim et Anne la grâce d'engendrer celle qui deviendrait la mère de ton Fils, le Verbe fait chair. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Oui, Seigneur, c'est toi qui as choisi sainte Anne pour mettre au monde la mère de ton Fils. Accorde-nous en ce jour de sa fête l'appui de son intercession auprès de toi. Et nous demandons cela par ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture en témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en émigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car ils attendaient la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine de descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons maintenant la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, vous et moi, quand on était jeunes, nous sommes tous nés dans une famille. Une famille, c'est un noyau essentiel de notre société. Il faut même aller jusqu'à dire que s'il n'y avait pas de famille, il n'y aurait pas de société. On bâtit un monde juste, un monde social, à partir d'hommes et de femmes qui sont nés quelque part d'un père et une mère. Et c'est là, bien sûr, qui fait notre richesse. On a appris nos prières avec nos parents. On a appris les valeurs de la vie. On a appris comment vivre à partir de nos parents. Et on a pris ça et on a grandi et ça a fait exactement qui on est aujourd'hui, hommes et femmes vivant socialement sur un plan horizontal et sur un plan vertical, bien sûr, avec Dieu, parce qu'il ne faut jamais oublier que la famille fait partie aussi d'un sens vertical. La famille est importante dans le noyau religieux auquel vous et moi nous appartenons. Aujourd'hui, nous célébrons un couple qui ont eu leurs propres parents, eux aussi, et qui ont voulu véhiculer des valeurs d'après qui ils étaient, sociales, religieuses à l'époque, bien sûr, et qui ont eu, bien sûr, Marie et qui lui ont inculqué certaines valeurs. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites dans la Bible sur Joachim et Sainte-Anne, même, je dirais, très, très peu. Et en réfléchissant à tout cela, je me suis dit, il y a peut-être un but, il y a peut-être une raison pour cela. C'est que Dieu veut que vous et moi, que nous savourions, sans avoir tellement de mots, la présence et la bonté de Joachim et de Anne dans notre foi, notre religion. Alors, c'est un homme et une femme totalement donnés. Et vous savez, cette importance aujourd'hui que les grands-parents ont sur leurs petits-enfants, c'est absolument énorme, énorme. Les parents, souvent, ils veulent inculquer quelque chose, mais on dirait que quand ça vient des grands-parents, c'est les vieux sages qui sont là et qui parlent à leurs petits-enfants. Les grands-parents ont une grande influence, même encore aujourd'hui. Certainement que la Vierge a appris énormément de son père, de sa mère, Joachim et Anne. Et vous savez que nous autres, dans notre vie, il y a des choses qu'on n'est pas appelé à comprendre totalement. Comme par exemple Joachim et Anne, comme je vous disais tout à l'heure, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible, même presque pas. Et pourtant, cette influence qu'ils ont eue. Vous et moi, on n'est pas ici pour comprendre tout au sujet de Anne et de Joachim. On est ici pour croire. On est ici pour les prier. On est ici pour savourer toutes ces belles grâces que Joachim et Anne nous ont offertes, qui nous ont léguées, même jusqu'à aujourd'hui. Parce que ces mêmes saveurs, ces mêmes goûts, ces mêmes valeurs, ces mêmes vertus, je dirais, que les grands-parents donnent, de leur bonté, de leur beauté, de leur générosité, de leur
ouverture, de leur accueil, etc. C'est des valeurs qui ont passé de génération en génération et qui nous sont venues directement ou indirectement, peu importe, de Joachim et de Anne. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, d'une manière bien simple, dans notre célébration, nous allons ouvrir notre cœur encore une fois à ce beau couple. Mais bien sûr, surtout peut-être en mettant un petit peu plus de saveur sur Anne, puisque c'est notre patronne du Québec. Alors, sur Anne, qui était une femme dévouée, avec un mari à ses côtés, toujours, toujours attentif. Alors, nous allons continuer maintenant notre célébration en réfléchissant peut-être à nos valeurs familiales, mais surtout, surtout à celles que nous ont offert ce beau couple que nous célébrons aujourd'hui. Amen. Sœurs ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, nous t'en prions, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur, surtout pour Saint Joachim et Sainte Anne. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Alors nous avons une intention de messe aujourd'hui en l'honneur de Sainte-Anne et Saint-Jacques par Paul Riddell Innocent. Et aussi aujourd'hui une messe d'action de grâce à Sainte-Anne. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, surtout Sainte-Anne et Saint-Joachim. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes aussi tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et que nous recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Oui, c'est pourquoi, avec ange et archange, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Anne, Saint Joachim, Saint Jean de Nata, Saint Jacques, Sainte Bernadette Soubirous, la bienheureuse Élisabeth Turgeon, la bienheureuse Émilie Gamelin, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Maintenant, notre regard et notre cœur va vers Dieu, notre Père Créateur. Nous nous tournons maintenant vers lui, nous lui disons une fois de plus cette belle prière en signe d'adoration. Alors, avec toutes ces intentions dans nos cœurs, disons-lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et entre nous maintenant, offrons-nous entre frères et sœurs la paix du Christ.
Frères et sœurs, voici maintenant l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde, le Christ ressuscité. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, ne suis pas digne de te recevoir, mais il sera une parole et je serai le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. La communion sera donnée par 4 ministres de la communion, 2 au centre et 1 dans chacune des allées latérales. Oh,
prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils unique naisse de la famille humaine, pour que celle-ci, par un admirable mystère, renaisse de ta propre vie. Et oui, dans ta bonté, accorde à ceux et celles que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption, par ton Fils Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, n'oubliez pas, le vendredi, alors aujourd'hui, il n'y aura pas de chapelet miséricorde, mais au lieu, une fois que je vais avoir exposé, il va y avoir une heure, à peu près 45 minutes, une heure, devant le Saint-Sacrement, animé avec de belles prières, avec le Père Guy. Alors, merci beaucoup. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.